Alors, bonjour Jacques. Alors, cette fois-ci, Jacques, tu nous parles d'allergie. Alors, d'ailleurs, c'est un terme qu'on rencontre beaucoup dans ton livre « Dictionnaire des malaises et maladies ». Alors, d'où ça part, les allergies, que ce soit cutanées, respiratoires ou autres? Bon, si on va voir dans le dictionnaire, l'item marqué « allergie », il y a une page complète là, qui explique les sentiments, les émotions, les pensées qu'on peut avoir, qui fait développer le conflit, dans le fond. Okay. J'aimerais qu'on en reste, qu'on prenne plus de temps à en rester à une explication qui est la frustration. Okay. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, hein, c'est important. Donc, ça peut provenir d'une frustration. Mais ce que je veux mettre en évidence aujourd'hui, pour le temps qu'on a, c'est de voir le mécanisme qui s'enclenche par rapport au fait qu'on va développer une allergie. Ouais. Et par rapport à ça, je vais donner quelques exemples. Même moi, au début, j'étais comme surpris. À un moment donné, il y a plusieurs années, début des années 90, on se retrouvait chez un ami avec une autre amie, lequel autre ami, disons, avait eu autrefois des allergies au boulot. Je dis, Benoît, je dis, quand est-ce que tu es devenu allergique au boulot? Ben, il dit, c'est quand j'avais 18 ans. Puis c'est un gars qui est très, très sensitif. Puis lui, il aimait beaucoup la menuiserie parce que ça l'aidait à se brancher à la terre, tout ça. Ça l'aidait à avoir un certain équilibre par rapport à toute sa sensibilité qu'il avait. Okay. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? Il dit, j'ai dû laisser mon travail pour entrer en communauté. Oh! C'est pas... Fait que là, moi, tu sais, comme dans les bandes dessinées, là, t'as une petite bulle avec une petite lumière, on leur dit, j'ai une idée, tu sais. C'est là que j'ai dit, ah! Il a dû laisser son boulot. Ah, t'as fait le lien, homonyme. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans, là, les homonymes. Parce que le cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, virtuel ou symbolique. Alors, ce qui est très symbolique dans ce cas-là, c'est un homonyme, hein, c'est-à-dire le même mot, le même son. Hein, pour... Donc, l'arbre, le boulot et son boulot, hein, ça fait une association. Donc, il a vécu une frustration par rapport au fait d'avoir à laisser son travail, son boulot, pour entrer en communauté parce que c'est ça qu'il désirait dans sa vie. Donc, pendant des années, il était allergique au boulot jusqu'à temps qu'il ait travaillé en croissance personnelle, il ait travaillé au niveau des émotions. Et au moment où moi, je le connaissais, dans les années 90, il n'y avait plus cette allergie-là. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont importants. Et par rapport aux allergies, on en mentionne plusieurs dans le dictionnaire. Oui, t'en as plusieurs. Allergie aux chevaux, à la poussière, allergie aux chats, aux chiens, allergie à ci, à ça. Il y a bien des choses. Et un rapport, quelqu'un, un membre de ma famille, l'autre jour, est venu, puis on était dans un endroit où il y avait des chiens, des chats. Oui. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était plus allergique. Il dit, comment ça, je suis plus allergique? Mais j'ai dit, regarde, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? C'est évident que pourquoi tu n'es plus allergique? Mais il y avait quelqu'un dans sa vie maintenant. Ben oui. Alors, on ira voir hein, dans le dictionnaire. Oui, c'est ça, chien, faudrait chien, suivre. Chien, chien, pourquoi. Okay. Et maintenant qu'il y a quelqu'un dans sa vie, il n'est plus allergique. Eh bien. Un gars que je connaissais qui était allergique au tapis, partout. Oui. Partout où il allait du tapis, il était allergique. Hein? Il éternuait, tout ça. Sauf chez lui, que c'était plein de tapis, il n'était pas allergique. Ah, ben là. Mais c'était chez lui. Il était bien. Il était avec sa compagne. Okay. Tout allait bien. Donc, il n'y avait pas d'allergie par rapport à ça. Alors, comment expliquer, par exemple, une allergie de petits-enfants? Exemple, un petit homme de 2 ans, hein, qui tout va bien, et puis la grand-maman, pour vouloir, elle lui donne du beurre de pinotte. Mais c'est la première fois qu'il prend du beurre de pinotte. Il s'est ramassé en urgence, puis pas à peu près, là. OK. Bien, ça, on va développer ça dans une autre capsule plus, mais je vais en parler quand même. Oui, je devance. Bien, parce que le beurre, si on parle du beurre de pinotte, du beurre d'arachide ou quoi, oui, là, oui, le beurre d'arachide pour les Français dit, qui nous écoutent, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu travailles et on ne te paye pas beaucoup? C'est quoi l'expression? C'est des pinottes. Hein, je travaille pour des pinottes. Oui. Hein? OK. Mais le cerveau, lui, la partie symbolique de ça, là, il a enregistré, lui. Alors, si je vis de la frustration par rapport au fait que je me sens pas bien payé par rapport à ce que je fais, ou par exemple, peut-être que pour le travail que je fais, je suis bien payé, mais je me dis, regarde, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ce travail-là. Moi, je devrais gagner, je sais pas, moi, 75 000 $ par année et non pas 40 000, même si le travail que je fais vaut ça. Donc, je peux vivre de la frustration par rapport à mes gains. J'ai l'impression que par rapport à ma valeur que j'ai, je travaille pour des pinottes parce que je vaux plus que ça. Mon potentiel est plus élevé que ça. D'accord. Donc, il faut aller voir de ce côté-là. Et on le trouve, Marie-Claude. C'est fascinant. Oui, hein? Oui, oui. C'est fascinant. Bon, quand c'est la poussière, souvent, c'est relié à la sexualité. Ah.
Ah, oui. Des choses comme ça. Les acariens, c'est la même chose, la poussière, en fin de compte. Oui, voilà. Mais en tout cas... C'est intéressant. Ou les animaux, exemple, peut-être quand je suis petite, étant petite, on a peut-être toute une mauvaise expérience avec un petit animal, puis inconsciemment, ça se réveille quand tu le reçois aussi. Ça peut être ça aussi, hein? Oh, il y a bien des facteurs. Oui, là. Un choc, hein? On peut avoir un choc émotif par rapport à ça, hein? Oui, oui. Mais ça se change, ça. Oui, c'est ça. Ça change. Moi, j'ai une amie qui, au printemps, elle fermait ses fenêtres, hein, parce que le pollen et tout ça, puis elle les rouvrait juste à l'automne. Okay. Mais elle travaillait beaucoup sur elle, travaillait des choses au niveau émotif, elle guérit des blessures, tout ça. Maintenant, au printemps, elle ouvre ses fenêtres. Puis à l'automne, elle les ferme. Puis à l'automne, elle les ferme. Elle redevient mais, la mais regarde, elle se promène dans les champs. Tu sais, les pissenlits, quand elle ça lève tout. Elle n'a pas fait ça avant, hein? Mais non. Mm. Maintenant, c'est fini, là. Okay. Regarde, elle étouffait, elle avait une pompe, tout ça. Dieu, oui. Regarde, elle s'est libérée de tout ça. Elle, tout va bien de ce côté-là. Donc, on pourrait être aussi allergique à des personnes. Oui. Hein, ça doit nous arriver, ça. Je pourrais le sentir, là. Mais c'est ça. Ça c'est pas... Ah, puis en parlant de ça, ça me fait penser aussi. Mm. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est allergique aux roses. Aux roses. Ouais, tu sais, quand on dit des fois l'allergie, bien, le pollen qui se promène dans les éléments allergènes, hein, qui font déclencher la crise et tout, et tout. Et un soir, il arrive à la maison et sa femme avait acheté, il y avait sur la table, un grand bouquet de roses. Fait que tout de suite, il se met à éternuer, puis à éternuer. Il dit, ma chérie, tu sais bien que je suis allergique aux roses. Qu'est-ce que tu as fait d'aller acheter un bouquet de roses comme ça? Mais il dit, mon chéri, c'est des roses artificielles, c'est des roses en plastique. Oh, c'était quelque chose. C'est juste pour démontrer l'aspect psychosomatique. Mmh. C'est pas un élément allergène, là, non, dans l'air, qui a fait c'est tout-là qui s'est mis. C'est juste parce qu'il l'a vu et la mémoire de ça qu'il est allergique. Ça fait déclencher. Donc, c'est sûr, c'est d'être capable d'aller rechercher l'événement qui précède la première allergie qu'on a fait. Oui. Fait que c'est un travail, mais ça vaut la peine. Oui. Ouais. J'irai plus loin que ça, juste pour mentionner un peu. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont alcooliques parce qu'ils sont allergiques à certains éléments de base. Par exemple, si moi, je suis alcoolique, je vais donner un exemple, c'est pas nécessairement ça. Ouais. Si le blé, avec du blé, on fait du scotch... Puis je suis allergique au blé, bien, je vais devenir alcoolique au scotch. Là, juste le scotch qui va me satisfaire. Ouais. C'est comme un poison. Ah. Ainsi de suite. Il y en a qui vont être... Bien. Il y en a que ça va être juste, par exemple, le cognac qui va les satisfaire. Okay. Il y en a, ça va être juste du gin qui va les satisfaire. Mm. Parce que des fois, ils sont allergiques à l'élément de base. Ah. Si on va voir dans le grand dictionnaire des malaises et maladies, à l'alcoolisme, ça, je le mentionne, Oui. Puis moi, j'ai appris ça du président fondateur de la Fondation canadienne de la guérison de la schizophrénie. Ah. Hein, qu'on peut être allergique à des éléments de base comme ça, et ça nous rend alcoolique à tel type de boisson. Ah, bien, c'est important de savoir. Très intéressant. On peut aller loin avec tout ça. Là. On en sait plus en lisant le grand dictionnaire de malaise et maladie. Absolument. Merci, Jacques. Alors, une prochaine. Alors, procurez-vous le dictionnaire des malaises et maladies, édition ATMA, ça vaut le coup.